monter une boîte, ça prend énormément de temps. Et là, on s'était vraiment lancé à plein temps dans le truc, et du coup, bah, on fait des journées de dingue, et t'as plus forcément, après, c'est une question de priorité, mais t'as plus forcément l'envie de te défocus, parce que, bah, ce qui t'excite au jour le jour, c'est vraiment monter ta boîte et puis essayer de développer le truc. Surtout que ça va très très vite, on a des demandes clients dans tous les sens. Donc, en fait, on s'est vraiment donné à fond pendant un an et demi là-dessus. Et là, je reviens un petit peu aussi à l'immobilier de base, parce que voilà, c'est ce qu'on aime. Ouais, nous, on a de la chance, on est 100% bootstrap. Donc, bootstrap, ça veut dire qu'on n'a pas levé de fonds, on fait tout en fonds propres. Tu sais, au début, t'as des gens qui viennent te voir, tu te dis, ça y est, je suis Elon Musk, j'ai fait une boîte de bouffe, les gens, ils veulent mettre de l'argent chez moi. Et en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, ils investissent un peu de partout, ce qu'ils veulent, c'est surtout t'acheter pour pas cher. Et j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps là-dessus où je disais que l'immobilier, en moyenne, ça rapportait 30% par an net d'impôts. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets, et qui est là tout l'été, vous le savez. Nous, on n'est pas RTL ou Europe 1, ou je sais plus, je connais même plus les radios tellement. Voilà, parce que quand je suis en France, j'écoute pas la radio, j'écoute des podcasts, bien entendu. Vous êtes donc sur le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, on accueille Thomas, le fondateur de l'e-box. Je l'avais déjà reçu, en fait, donc c'était aux alentours de octobre 2022. Donc, mine de rien, ça date un petit peu. Et bah, j'aime bien de temps en temps faire des épisodes d'update. Bah, voilà, le chemin vers la réussite, c'est souvent exécuté presque parfaitement, ou en tout cas le plus possible, des actions, des petites actions. C'est pas juste avoir une idée et puis c'est ça qui va vous rendre riche. Il y a sûrement des personnes à qui c'est arrivé, mais en général, c'est plutôt exécuter, améliorer, implémenter, itérer. Et donc, bah, je trouvais ça sympathique de faire un épisode avec Thomas. Donc Thomas, il a fondé l'e-box. C'est un site qui vous permet de rechercher efficacement des biens immobiliers. Donc c'est assez puissant, hein. Je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai recommandé à plusieurs membres du club Invest. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez. Ben, de toute façon, vous pouvez écouter bien sûr l'épisode qui va arriver, libox.fr, et vous avez un code BYBYPATRON. Avec le code, vous avez 20% de réduction à vie sur tous les abonnements. Donc le code BYBYPATRON. Si vous voulez tester, et puis bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça, c'est pour l'invité du jour. On va notamment parler de sa vie entrepreneuriale et notamment de l'investissement versus entrepreneuriat, et qu'on peut pas toujours tout faire. Deuxième point que je voulais voir avec vous, bah, je rentre de Paris, je suis rentré hier, je suis passé à Paris. Et ben voilà, un des bienfaits du podcast, j'ai rencontré Lara qui habite en Argentine, elle était de passage en France. Du coup, on s'est rejoint à Paris et on a organisé un événement à Paris. On était une quarantaine, beaucoup d'invités que j'avais déjà eu sur le podcast. Je vais sûrement en oublier si je les cite, enfin je vais en citer quelques-uns. Il y avait Dimitri, il y avait Sheikh, il y avait Sonine, il y avait Camille Investisseur Éclair, il y avait Claire, il y avait Lara, du coup, il y avait Yanni de la semaine dernière. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, bah, sur les réussites du Club Invest. Et bah, si vous voulez nous rejoindre, hein, vous savez où ça se passe, clubinvest.fr. On est là pour les débutants et les plus avancés. D'ailleurs, j'ai eu des contacts suite au podcast. Donc voilà, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on vous aide dans vos projets immobiliers. Et bien sûr, vous pouvez prendre un appel gratuit. Donc ouais, il y avait beaucoup de monde. Je vais sûrement, il y avait Eddy, surtout Eddy, organisateur de soirée, nous a bien aidé pour la deuxième partie de soirée. On a fini au quai de la photo. C'était un super bel endroit où il y avait des bateaux garés à l'intérieur. Ça m'a rappelé, pour ceux qui ont la référence, Tomb Raider 2 à Venise, où tu avais un bateau comme ça, tu devais faire des sauts. Bref, super week-end. Voilà, les bienfaits du podcast. On parle souvent des effets néfastes de, que sais-je, des réseaux, d'Instagram et tout ça. Là, on arrive à réunir une quarantaine de personnes. C'était top. Merci à tous ceux qui ont participé. Bien sûr, ça passe toujours trop vite. Bien sûr, on n'arrive pas à parler à tout le monde tout le temps. Mais franchement, c'est vraiment, ça fait trop plaisir de voir tout le monde, d'être aligné dans un monde un peu, voilà, il y avait les résultats des élections hier, dans un monde un peu polarisé, être avec des personnes qui ont un peu les mêmes valeurs, les mêmes objectifs de vie et tout, ça fait vraiment du bien. Et mine de rien, en fait, j'aurais déjà organisé un événement à Toulouse cette année, un événement à Strasbourg et un événement à Paris. Donc là, en tout, hein, ça fait déjà pas mal d'auditeurs que j'ai pu rencontrer. Et puis, on fera le gros événement de l'année, le week-end du Club Invest. C'est prévu, les dates, ce sera le dernier week-end de septembre, 28-29. Cette semaine, avec Michel,
on va ben justement on va un peu fixer la date et tout ça, pas la date mais le lieu. Donc voilà, restez à l'écoute. L'an dernier, on avait vendu les places en une minute. Donc j'espère bah, que vous serez nombreux également pour le week-end. Et puis c'est sûr que les week-ends, ben on peut prendre plus de temps, on peut plus approfondir les sujets. Donc voilà, Paris. Et mine de rien, Paris, c'est sympa en ce moment. Hein. Bon, moi j'arrive toujours par le train. Ça fait pas toujours rêver, mais la ville, vraiment. Plutôt sympathique, j'étais plutôt agréablement surpris parce que autant les gens qui sont, ben, je les adore, autant la ville, parfois j'ai un peu plus de difficultés. Voilà. De toute façon, quand on est alsacien, voilà, c'est la mère patrie, la mère région patrie qu'on supporte le plus souvent. Non, mais vraiment, voilà, à Paris, c'est une super belle ville, on peut pas l'enlever. Et puis là, ben, effectivement, on sent qu'il y a l'effet JO. Et j'ai pas encore payé le métro à 4 euros. Sinon, plus intéressant pour vos investissements immobiliers, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'avais lancé un appartement, franchement, ça fait peut-être 3 semaines, je pense que j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Tout va bien, tout tourne bien. La renta, pour l'instant, elle est bien supérieure. J'avais déjà une bonne rentabilité quand j'avais fait les calculs initiaux. Et puis là, on est parti sur les chapeaux de roue. Donc, je suis très satisfait. On espère juste que ça va continuer. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'était... n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais repartir en visite sûrement dans une semaine. Bah, là, maintenant que j'ai plus de projets en cours immobilier, bah, voilà, on essaie toujours d'en avoir un petit. On n'est pas des escargots, là. Lara, elle disait toujours... Elle me l'a dit en espagnol, mais j'ai oublié. Mais voilà, donc en immobilier, hein, ce qu'on dit, hein, il ne faut pas acheter pour attendre, il faut acheter et attendre. Donc ça, c'était le premier point. En tout cas, moi, je vais continuer à chercher. Deuxième point, on a fait un bon épisode avec Michel il y a plus d'une semaine avec un courtier. On a un courtier qui comprend les investisseurs, qui est investisseur lui-même. Si jamais vous avez besoin d'un courtier, parfois on n'en a pas besoin, mais parfois il a débloqué plusieurs personnes. Du coup, on a lui, il est bien content qu'on lui envoie des clients. Et puis nous, on est content pour les auditeurs. Ça peut les débloquer, les membres du club qu'on accompagne donc toute l'année. Ben voilà, il y en a plusieurs qui sont passés par lui, qui ont été satisfaits. Bien sûr, il ne fera pas des miracles, mais en tout cas, déjà avoir un courtier qui comprend les investisseurs immobiliers, qui connaît rien que la SCI à l'IS, c'est pas donné à tout le monde. Là, il a fait une partie de sa présentation sur le sujet. Donc voilà, si jamais vous pouvez me demander ses coordonnées tout simplement, ou alors si vous allez sur la chaîne YouTube du Club Invest, il y a le live avec Thibaut Faust, il s'appelle. Et puis sinon, vous tapez Thibaut Faust, homfi.fr, et puis vous le trouvez, vous lui dites que vous arrivez de notre part, vous aurez en plus 500 euros de réduction. Voilà, et dernier point que je voulais vous dire, c'était l'Académie des Gros Billets. Vous savez, c'est mon projet depuis plus d'un mois maintenant, donc vous avez accès à toutes mes formations. Vous avez des bonus qui se débloquent chaque mois. Au bout d'un mois, vous pouvez m'appeler. Au bout de 2 mois, vous avez un livre dédicacé. Au bout de 3 mois, vous allez avoir la version audio d'un livre que j'ai écrit, où j'ai embauché une professionnelle. Voilà, il y a plein de points. Et surtout, l'actualité du moment, c'est je tourne des vidéos en continu sur l'intelligence artificielle. Donc, j'en avais déjà posté 4 la semaine dernière sur la transcription automatique, servir de son métier dans l'IA pour les tâches qu'on maîtrise mal, rédiger des annonces longue durée, courte durée, adapter les prix. Donc ça, c'était celle dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Là, j'en ai publié 3 nouvelles. Automatiser tout un projet avec ChatGPT. Donc là, je vous ai montré en fait ce qui était possible de faire, notamment avec make.com. Je sais pas si, enfin, c'est peut-être, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais en gros, on peut automatiser avec ChatGPT des tâches de malade, gagner des heures et des heures chaque semaine, une fois qu'on a mis un peu le nez dedans. Donc je vous ai montré le résultat que moi je peux obtenir. Organiser son planning quand on n'a plus la vue dessus, quand il y a trop d'éléments. Donc là, je vous ai montré comment moi, j'organise notamment les diffusions de podcasts, parce que parfois, j'ai de l'avance, comme en ce moment, j'ai quasiment 2 mois d'avance. Donc là, je vais un petit peu, je vais justement un petit peu décaler les enregistrements futurs pour pas avoir trop d'avance non plus. Mais si vous voulez un épisode par semaine, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'avais tous mes fichiers Zoom, ils ont des noms avec les dates en anglais inversé et tout ça. J'avais plus trop la vue dessus, vu que c'est un épisode par semaine et tout. C'est pas si évident.
Eh ben, je vous ai montré en 2 minutes comment est-ce que ChatGPT m'a aidé à régler ce problème. Donc, ça peut être aussi utile pour les travaux, pour les gestions de projets, même si on a des enfants avec les activités et tout. Et je vous ai fait une autre vidéo parce qu'en fait, dans la formation sur intelligence artificielle, je vous ai fait, il y a 3 parties. Il y a ChatGPT, enfin l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses investissements. La 2e partie dans son métier, et 3e dans sa vie privée. Et là, je vous ai fait prendre soin de sa santé avec ChatGPT. Donc voilà, il y a toutes ces vidéos, l'Académie des gros billets. En plus, vous avez accès au live. Le dernier que j'ai fait, c'était sur la vacance locative qui peut vous faire gagner des centaines d'euros, voire des milliers d'euros chaque année, surtout si vous avez pas mal de lots. Et donc voilà, bah écoutez, c'est sur l'Académie des gros billets. Vous allez sur grosbillets.com. Le prix de lancement, il est toujours actif. Donc c'est pour les 50 premiers. Il y a déjà pas mal de gens qui m'ont rejoint, mais on n'est pas encore aux 50, mais traînez pas parce qu'après, une fois que ça aura augmenté, ça redescendra plus. Voilà, on essaie toujours d'être transparent et de tenir ce qu'on dit. Voilà, donc en fait, là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour peu importe votre situation. Si vous êtes débutant, vous pouvez nous contacter au Club Invest. Si vous êtes plus avancé, que vous cherchez des biens, vous avez l'épisode avec Thomas de Libox. Si vous cherchez un courtier, je vous ai donné un financement, je vous l'ai donné, voilà, une fois que vous avez trouvé le bien. Et si vous voulez gérer vos biens, si vous voulez, c'est plutôt pour tout ce qui est la gestion, l'Académie des gros billets, il y a aussi comment négocier un bien immobilier, il y a aussi comment changer de vie grâce au podcast. Je vous ai dit, voilà, j'ai organisé 3 événements, on était quasiment 100 au final, grâce au podcast. Il y en a peut-être même qui trouveraient l'amour grâce à ça. Je sais pas, mais il y a aussi le dossier bancaire en béton. Thibaut, il nous l'a encore dit, le courtier, les dossiers bancaires qu'on reçoit de chez vous, ils sont top, ça va super vite. Il l'a dit encore sur la vidéo YouTube, j'invente rien. Vous avez toutes mes formations, allez sur le site grosbillets.com. Et de toute façon, même si vous voulez rien payer, en cadeau, je vous ai fait quand même 8 prompts et 8 exemples. Donc, ça fait à peu près 20 pages sur comment on peut déjà se servir de l'intelligence artificielle. Un guide PDF, vous pouvez le télécharger sur mon site grosbillets.com. On attaque avec Thomas. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, c'est assez rare, j'en ai fait quelques-uns des épisodes numéro 2, épisode follow-up, épisode update. On accueille Thomas, donc fondateur de Libox. Donc on avait enregistré, c'était à l'automne 2022, si je dis pas de bêtises, un premier épisode. On s'était croisé comme beaucoup d'invités que j'avais pu avoir sur le podcast au feu salon de l'immobilier de Bordeaux. Et il y a eu pas mal. Tu m'as dit qu'il y a eu pas mal d'updates, donc on va voir un peu l'e-box. Je vais te laisser te présenter quand même rapidement. Et puis c'est aussi une aventure entrepreneuriale. C'est à la fois pour les investisseurs et à la fois une aventure entrepreneuriale. Donc on va pouvoir voir comment ça se passe un peu parce que c'est un mélange aussi dans la tech. On sait que les sociétés tech c'est toujours les premières années elles sont compliquées. Donc, comment vous en êtes sorti? Je te laisse te présenter rapidement. Et juste, tu peux faire un petit... on va pas revenir sur tout l'épisode parce que même si beaucoup d'un... Soit les personnes ont oublié, soit on a des nouveaux auditeurs. Mais juste un petit point sur ta carrière d'investisseur. Juste un peu les où t'en étais, peut-être où t'en es maintenant. Et puis ensuite, on verra sur, on fera un petit follow-up. Ça marche. Merci pour la 2e invitation. Je me représente rapidement. Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. Je suis ingénieur de formation dans l'analyse de données et je me suis rapidement lancé dans l'immobilier, en fait, en plus de mon boulot, comme pas mal de gens le font. J'ai commencé l'immobilier, on va dire, m'y intéresser en 2018. Moi, je suis spécialisé surtout dans l'immeuble de rapport. J'aime beaucoup ce type d'investissement. Et assez vite, avec mon associé, on a créé Libox aussi, qui est un outil justement pour les investisseurs immobiliers, qui devait nous aider à la base juste nous, dans nos propres recherches perso, pour essayer de gagner du temps, parce qu'on en avait marre de passer des heures sur Le Bon Coin, se loger, et puis à faire des fichiers Excel
qui devenaient des usines à gaz. Donc du coup, on a créé ça pour essayer de rassembler toute la donnée utile, rassembler toutes les annonces aussi en fait un petit peu du web, et puis essayer de faire aussi tous les calculs en fait en automatique de rendement, de fiscalité, etc. En fait, tout ce qu'on avait sur nos fichiers Excel énormes, on l'a mis dans un format un peu plus sympa en ligne pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans nos investissements. Ok, top. Et là, par rapport à 2022, donc tu avais, je sais plus, c'était 3 immeubles, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 immeubles. T'en es où? T'as continué ou tu t'es focus sur... c'est dur d'être au four et au moulin, comme on dit. Donc, comment t'as orienté un peu ton temps, ton énergie par rapport à ça? C'est ça, en fait, c'est un peu difficile. Et tu vois, ça, c'est le petit regret que j'ai, c'est que je suis resté sur mes 3 immeubles. Donc, je n'ai pas acheté là depuis 1 an et demi. Et là, c'est maintenant, c'est au mois de mai que je me suis remis un peu à refaire des visites, à retenter d'acheter. Donc là, j'ai des négos qui sont en cours. Mais bon, entre le moment où tu négocies la signature du compromis, voilà, je serai pas propriétaire avant la fin de l'année, même si ça se passe bien. Donc ça, c'est un peu le petit souci que j'ai. En fait, c'est vrai que monter une boîte, ça prend énormément de temps. Et là, on s'était vraiment lancé à plein temps dans le truc. Et du coup, bah, on fait des journées de dingue. Et t'as plus forcément, après, c'est une question de priorité, mais t'as plus forcément l'envie de te défocus, parce que, bah, ce qui t'excite au jour le jour, c'est vraiment monter ta boîte et puis essayer de développer le truc. Surtout que ça va très, très vite. On a des demandes clients dans tous les sens. Donc, en fait, on s'est vraiment donné à fond pendant 1 an et demi là-dessus. Et là, je reviens un petit peu aussi à l'immobilier de base, parce que voilà, c'est ce qu'on aime. J'avais eu aussi un peu au milieu des soucis dans les travaux. J'ai une entreprise, je pourrais peut-être en parler un peu, mais qui m'a un peu laissé tomber. Donc, je crois que quand on s'est vu, nous, c'était juste avant ça. Donc, une entreprise qui a un peu abandonné le chantier, qui a eu des petits soucis de trésor. Donc, du coup, il y a certaines avances que je leur avais faites qui ont été perdues. Et en fait, je me suis retrouvé à devoir faire un peu des travaux de finition dans mes apparts, parce qu'ils étaient vraiment deux doigts d'être finis. Tu vois, il manquait les peintures, les sols, les cuisines. Et en fait, ça me faisait chier de devoir attendre 6 mois le temps qu'une autre entreprise se libère pour pouvoir finir les travaux. Donc, il y a eu 2-3 petites galères comme ça. Donc là, maintenant, au niveau du parc IMO, ce qui est bien, c'est que tout est terminé, tout est loué. Donc là, j'ai plus d'excuses, en gros, en me disant j'ai des chantiers qui sont en cours, donc je vais attendre la fin des chantiers avant de réinvestir. Là, tout est bon. Donc ça m'a appris pas mal de choses sur les travaux. Et puis j'ai attaqué aussi un peu le vie, chose que je faisais pas avant. Donc voilà un petit peu ce qui a évolué côté IMO, de mon côté, niveau perso. Yes. Et ça, c'est un vrai c'est une vraie réflexion que je me fais aussi. Moi, je suis super occupé en ce moment. Pendant on est en juin, jusqu'à septembre, en gros, à quoi je vais être occupé. Et c'est vrai que j'aimerais bien racheter, mais en même temps, c'est toujours, on peut pas tout faire, quoi. On est un peu au détriment de, soit on est sur ses business, soit on est sur, sa vie privée aussi, hein. On essaye d'en profiter, ça passe vite. L'achat, c'est quand même, je trouve, en tout cas, achat, travaux, finalisation pour la mise en loc, c'est quand même une énorme partie du temps qu'on peut passer sur un projet IMO. Si tu regardes sur 5 ans, la gestion de ton locataire, pour moi, ça prend maximum 20% du temps par rapport à tout le reste. Et du coup, c'est vrai que ce qui est déjà fait, t'es super content. Moi, je vois, ça fait peut-être 6 ans que j'ai commencé à acheter beaucoup, beaucoup d'appartements. J'en avais acheté avant, mais... Et là, ça, tu vois, quand je fais un peu les tableaux et tout, ça se rembourse vraiment. Mais à l'inverse, c'est vrai que tu te dis, punaise, t'as toutes ces compétences, toutes ces connaissances, et puis t'aimerais bien encore en mettre 2-3 de plus. Donc c'est un choix, on peut pas tout faire. Et puis souvent on dit, c'est dommage, hein, parce que c'est là où on est le plus efficace, c'est là où on est le meilleur, et puis c'est là où finalement on n'y va pas. Ouais. Parce qu'au début, je pense toi comme moi, on mettait vachement de temps à trouver des biens parce qu'on débutait. Maintenant, on a plus d'expérience, donc en soi, on va plus vite. Mais on se dit, on se souvient du temps qu'on a pris à l'époque. Et du coup, tu te dis, ah, c'est vrai que là, j'ai autre chose à faire. Et du coup, et t'as raison, IMO, au début, c'est long à mettre en place. Et puis, une fois que c'est fait, en fait, après, c'est tranquille, quoi. Mais t'as cette première marche qui est un peu, qui est un peu longue. Yes. Donc, Et je pense, je sais pas, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine que, tu vois, si t'as un projet d'avoir des enfants, c'est pas mal d'enquiller avant, même si après, à un moment, tu vas être un peu au bout du rouleau à gérer à la fois des nouveau-nés et de l'IMO. Mais en tout cas, je pense que c'est plus simple de faire dans ce sens que une fois que t'as les enfants, d'essayer encore de visiter les travaux, tout ça.
Mais bon, en tout cas, voilà, conseil paternité de quelqu'un, comme souvent, les gens qui n'ont pas d'enfants donnent des conseils aux parents. Voilà. Donc pareil, hein, pour les entrepreneurs et investisseurs, beaucoup de non-investisseurs me donnent beaucoup de conseils sur l'immobilier, hein, sur comment emprunter et tout, sur comment il faut faire. Et que, en fait, moi, je connais pas bien. C'est aussi, je pense, toi, tu en as aussi dans l'entrepreneuriat où on dit, mais pourquoi tu fais ça? La fameuse tata Jacqueline. Ok, du coup, depuis 2 ans, raconte un peu comment ça s'est passé, le site. Donc peut-être on va présenter, tu peux présenter l'e-box rapidement, à quoi ça sert et peut-être où t'en étais il y a 2 ans et puis où t'en es maintenant. Ouais. Alors du coup, pour représenter, donc l'e-box, en fait, c'est une application web, c'est un site internet, l'e-box.fr. L'objectif, c'est d'aider les investisseurs à trouver des biens rentables, à trouver les villes où investir et à simuler du coup leur rentabilité, leur cash flow et leur fiscalité. Donc c'est vraiment ça les 3 axes. Donc dans les très grandes lignes, en fait, on va avoir notre propre moteur de recherche qui agrège toutes les annonces du web, les Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, etc. Aujourd'hui, on a 700 sites qui pointent chez nous. Donc ça, c'est une des choses qui a changé aussi. À l'époque, on en avait une vingtaine. Aujourd'hui, on a pas mal développé là-dessus. Donc, ça aide à avoir vraiment tout le marché, des dupliqués, etc. Bien évidemment, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et en fait, il y a plein de données qui se rajoutent sur les annonces pour faire des recherches qui sont assez précises, du genre, je veux chercher à 200 km autour de Paris, dans des villes de au moins 20 000 habitants, avec max tant de taux de chômage et un cash flow de au moins 500 euros. Et ça va te sortir tous les biens qui correspondent à ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'idée, trouver des biens rentables rapidement. On a aussi pas mal donc de données sur les villes en fait, et ça permet de trouver les villes qui sont intéressantes. Donc on va voir combien tu peux louer tel ou tel bien dans telle ville, les prix de l'immobilier, le chômage, les étudiants, les transports, les commerces, etc. Donc pas mal de données là-dessus. Et le troisième axe, ça va être toute la partie fiscalité où en fait tu vas choisir ton régime fiscal et on va te faire un bilan comptable sur 30 ans avec année après année combien t'as touché d'argent, combien t'as remboursé à la banque. Où est-ce que tu en es dans tes charges, tes amortissements, etc. Et du coup, combien tu vas payer d'impôts. Donc, c'est ça, en gros, les 3 trucs principaux de l'e-box. L'idée, en fait, c'était vraiment de mettre en automatique tout ce qu'un investisseur fait quand il cherche lui-même. Donc, en général, il va sur tous les sites. Il a ses fichiers Excel pour enregistrer ses annonces. Il a ses autres fichiers Excel pour faire ses calculs. Là, on agrège tout ça au même endroit pour faire un truc le plus rapide possible. Yes. Ça, c'est l'idée de l'e-box. Ce qui a pas mal changé depuis la dernière fois, il y a 1 an et demi, il y a quelques features qui se sont ajoutées, mais c'est pas uniquement ça. En fait, on a aussi beaucoup joué sur la simplification de l'outil, qui à l'époque était très technique et vachement utilisé par les investisseurs expérimentés et un peu moins par les investisseurs débutants. Donc, au niveau des nouveautés, on va dire, il y a 700 sites qui sont arrivés par rapport à 20 avant. Il y a des régimes fiscaux qui sont arrivés aussi, type le LMP. On a de la chance, on a pas mal de nos investisseurs qui commencent à passer LMP, donc ça, c'est quand même plutôt bon signe. Ça veut dire que les investissements s'enchaînent. On a ajouté du de Normandie, du Pinel, des choses comme ça. On a ajouté pas mal de petits trucs à la con pour enregistrer ces annonces plus facilement, pouvoir leur mettre des statuts à contacter, à visiter, pouvoir les masquer, etc. Tu vois, plein de trucs un peu d'ergonomie aussi qui permettent vraiment de gagner quelques secondes à chaque fois quand tu es en train de chasser un peu de manière active. Et beaucoup d'aide, en fait, à l'utilisation de l'outil. Donc, on a un gros onboarding qui s'est mis en place qui permet de faire une visite guidée, toutes les fonctionnalités, parce qu'on se rendait compte qu'en fait, les personnes... très souvent, on avait des clients qui partaient, qui me disaient « je pars parce qu'il n'y a pas ça ». Et en fait, le « ça » était déjà là, tu vois. On se dit merde, il y a un problème. Ça veut dire que en fait, les gens ne prennent pas le temps de tout visiter ou alors ne comprennent pas où est-ce qu'il faut aller. Et du coup, on a fait un gros boulot aussi là-dessus de simplification, de visite guidée, de tuto, etc. Donc, ça fait que maintenant, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup mieux compris par les investisseurs. Et le gros truc qu'on a fait aussi, et je pense qu'on va continuer là-dessus, c'est qu'on publie de plus en plus de contenu sur les réseaux pour essayer en fait d'éduquer un petit peu aussi à l'immobilier. Alors, il y en a plein qui le font un peu déjà et qui participent à ça. Moi, ce que j'aime bien faire, je suis un peu issu du monde de la finance et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une manque de connaissances en termes financiers purs. Moi, je vois beaucoup d'investisseurs avec qui je me bats,
qui se font des erreurs sur rendement, rentabilité, comment est-ce que tu prends en compte la revente dans un projet, est-ce qu'il faut mettre de l'apport ou pas. Tu vois, il y a une époque, d'ailleurs qu'on avait enregistré, les taux étaient encore hyper bas, donc les gens se posaient pas trop la question, ils disaient je fais le maximum. L'argent était gratuit. Ouais. Voilà, c'est ça, argent gratuit, tu te poses pas la question. Maintenant que l'argent est à un prix normal, hein, en soi les taux sont pas spécialement élevés quand tu regardes l'historique, ils sont un montant à peu près normal. Bah, tu te poses la question, est-ce qu'il faut pas que j'achète cash, est-ce qu'il faut pas que je mette plus d'apport? Et en fait, les gens comprennent pas vraiment en profondeur l'intérêt du levier, à quel moment le levier est rentable, comment est-ce que ça rentre en compte dans le calcul de renta à la fin. Et donc, on va essayer de plus éduquer les gens un peu là-dessus aussi. Okay. Donc, voilà, dans les grandes lignes, un peu ce qu'on a fait depuis un an et demi. Et je pense qu'il y a un truc que vous avez amélioré, parce que je m'en suis servi à différents moments du Leebox, c'est la consommation de ressources de l'ordinateur. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, à un moment, c'était vraiment hyper gourmand. Enfin, vraiment, ça faisait un peu ramer l'ordinateur. Et j'ai l'impression que ça s'est amélioré. Enfin, je sais pas si vous avez eu des améliorations là-dedans. Parce que c'est vrai que quand on est investisseur, on a tendance à avoir genre 30 onglets ouverts. Et puis l'ordinateur, il avait un peu du mal à suivre. Et j'ai en tout cas l'impression que ça s'est amélioré. OK, j'ai pas mal de questions. C'est donc peut-être les 700 sites. Ça me paraît complètement fou. C'est quoi? C'est vous avez intégré des sites du type des sites d'agences immobilières, comment vous êtes passé de 20 à 700? Enfin, moi, souvent, je cherche sur le bon coin. Après, de temps en temps, les agents, ils disent, ouais, tout est sur mon site. Donc, je vais sur le site de, je sais pas, de Guioquet, de Foncia ou de, ou que sais-je. Comment vous avez fait exactement? Ouais, c'est ça. En fait, on a pas mal de partenariats avec des agences qui envoient les annonces directement chez nous. Donc, on rajoute à chaque fois des sites, on va dire, qui sont déjà des sites qui agrègent. Donc, les Le Bon Coin, Se Loger, Figaro Immo, PAP, Gens de Confiance, tu vois. Tous ces sites-là, on va les chercher un peu à la mano. Et après, on fait de plus en plus de partenariats avec les agences. Et ça permet de récupérer. Tu en as une grosse partie qui finit à terme sur Le Bon Coin. Mais avantage numéro un, c'est que tu n'as pas 100% et tu as toujours des agents qui sont un peu à l'ancienne qui disent « moi, tout est sur mon site et j'ai pas envie de payer Le Bon Coin, Se Loger ». Et aussi, tu as un truc, nous, on s'en rendait pas trop compte avant de récupérer toutes ces données, mais en fait, de plus en plus, les agents immobiliers attendent avant de mettre leurs biens sur Le Bon Coin, Se Loger, parce que ça coûte cher. Et donc, en fait, quand tu récupères les annonces directement depuis les sites, en moyenne, on avait calculé, tu avais 5 jours d'avance. Tu as une annonce, en fait, qui arrive sur un site, elle arrive sur le site, et ensuite, 5 jours après, elle est publiée sur Se Loger. Et ça, c'est si elle n'est pas vendue entre-temps. Donc, alors après, en ce moment, le marché est un peu moins tendu. Mais à une époque, tu vois, en 5 jours, t'en avais pas mal qui étaient déjà vendus. Donc, t'en avais une partie qui finissait jamais sur ces sites-là. Et puis l'autre qui était là avec un peu de retard. Donc, c'est ça l'avantage aussi de récupérer les annonces directement à la source. Donc, sur le site des agences, t'es sûr que c'est là où elles sont publiées en première norme. Yes. Et c'est vrai que ça, j'en ai déjà parlé dans un ou deux podcasts, mais c'est le coût du Bon Coin. Il a explosé vraiment. Enfin, moi, en tant que. Pourtant, je suis particulier, mais souvent, moi, quand j'organise des visites. Je mets une annonce une semaine avant et puis je la fais remonter une ou deux fois en fonction du nombre de demandes. Et je pense que maintenant, je paye 9 euros et elle, je sais pas, il n'y a pas si longtemps, c'était 3 euros. Et en tout cas, et à un moment, souvent, je fais la visite moi-même, mais mon gestionnaire locatif, il devait s'occuper de faire visiter. Et je lui disais, en fait, il n'arrivait pas à me trouver quelqu'un. Et je disais, mais l'annonce, elle est trop loin, il faut que tu la remontes. Et il m'a dit, pour lui, le coût, je ne sais plus combien c'était, mais c'était... Enfin, largement plus que 10 euros, en tout cas, de la faire remonter. Et c'est vrai que sur autant une annonce de vente, je comprends qu'on puisse consacrer peut-être 100 ou 200 euros à Le Bon Coin. Autant sur une annonce de location, ça commence à être compliqué. Et on est hyper tributaire, mine de rien. Moi, j'ai des biens à l'étranger. J'en ai parlé dans un autre épisode. Il n'y a pas de Le Bon Coin et du coup c'est vite 200 euros que je paye pour mettre un bien en location sur ce site et en fait tout le monde va sur celui-là et donc sinon il y a Marketplace Facebook mais c'est un peu rempli de scams, tu peux pas trier, tu peux pas faire grand chose et apparemment au Canada Marketplace il est aussi en train de pas mal exploser. Donc, c'est assez intéressant ce que tu dis. C'est vrai que si tu es agent immobilier, toi, à la limite, si tu peux vendre sans payer l'annonce, ça fait toujours de la marge en plus. Ouais, j'avais vu, moi, des agents immo qui se
gagner sur LinkedIn parce que les packs annonces, là, comme ils appellent ça chez, chez Le Bon Coin et tout, ça avait pris, je crois, 300%, tu vois. Donc, c'est à peu ouais, près. Ouais, mais je pense que c'est ça. Ouais, ouais. Les c'est photos, ouf, c'est hein. 18 euros, je pense, maintenant. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant. Mais moi, je sais, je me suis même battu avec une agence IMO qui gère un de mes biens parce qu'ils avaient fait une erreur dans l'annonce et du coup, il fallait la modifier. Et en fait, Ouais. ils voulaient pas parce que la modification était payante, ça leur coûtait trop cher, tu vois. Ah ouais, non, Je c'est. te dis, des fois, t'as des trucs et je dis, bon, Ouais. l'erreur, elle est de votre côté, vous me faites pas chier, quoi. Il me dit, non, on Ouais. n'a plus de crédit, il faudrait qu'on reprenne le paquet au-dessus, Ouais. ça coûte Ouais. cher. J'ai fait, waouh, là, Ouais. ça devient fou. Hein. Les agents IMO, en plus, sont un peu en crise en ce moment, donc ils économisent autant qu'ils peuvent. Yes. Et peut-être tu peux nous dire un peu la partie sur la partie technique, bah justement quand toi tu parce que je pense que le gros biais que tu peux avoir, le gros problème que vous devez avoir, c'est les doublons. Et du coup, comment tu fais, comment vous triez un peu bah du coup tu as l'annonce de l'agence, est-ce que par exemple vous prioritisez les annonces de l'agence ou alors vous allez plutôt vous dites bah Le Bon Coin, Se Loger, c'est le plus fiable. Comment vous faites pour déjà avoir qu'une annonce alors qu'elle apparaît à plein d'endroits et puis ensuite un peu trouver la plus fiable, peut-être celle qui a, je suppose par exemple sur les sites d'agence, il y a beaucoup plus de photos vu que c'est gratuit. Comment vous faites? Yes. Ben en fait, nous, on a des algorithmes qui font que dès qu'on récupère une nouvelle annonce, n'importe sur n'importe quel site, on va regarder si cette annonce n'existe pas déjà dans notre base de données. Donc, on va la comparer aux plusieurs millions d'annonces qu'on a de notre côté. Et pour faire ça, en fait, c'est un algo qui prend pas mal de choses en compte. Ça va être beaucoup la description, mais pas uniquement, parce que sur les descriptions, en fait, tu peux avoir des différences entre les sites. Notamment, tu vois, sur, je crois, bah, Le Bon Coin, t'as un petit texte qui se rajoute un peu en automatique, soit au début, soit à la fin, avec un peu les références de l'annonce. Donc, tu as des trucs qui se basent là-dessus. On se base aussi sur le nom de la personne qui a posté, sur l'ID, des fois, de l'agence. Et tout ça, en fait, ça te fait un espèce de score pour te dire, bah, est-ce que cette annonce, c'est la même que celle qu'on a déjà récupérée, en fait, sur un autre site. Et donc, quand tu vas chez nous et que tu cliques sur une annonce, en fait, tu vas avoir tous les liens qui correspondent à cette annonce. Donc, tu auras le lien Le Bon Coin, le lien Se Loger, le lien La Forêt, par exemple. Et c'est comme ça qu'on va faire, en fait. Et du coup, on va aller récupérer les photos à droite à gauche, on va toutes les agréger et on va essayer d'avoir le maximum d'informations, en fait, bah, pour une annonce en fonction de ce qu'on trouve sur les différents sites. Ok, super intéressant. Et est-ce que là, les annonces, elles sont stockées chez vous ou elles sont, vous avez une sorte de copie? Parce que par exemple, un bon conseil qu'on peut donner, et que je l'ai pas donné souvent, c'est si vraiment vous voyez l'opportunité du siècle, sauvegardez, prenez une photo de l'annonce avec le numéro de téléphone et tout, parce que si l'agent il se fait déborder d'appels, il va la supprimer super vite. Et donc, ça, enfin, c'est un bon conseil, je pense, d'investisseur. Est-ce que du coup, elle est sauvegardée chez vous? C'est comme, je sais pas, par exemple, mon podcast, c'est un flux qui est envoyé, il n'est pas vraiment stocké sur les plateformes. Non, nous, ouais, tout est stocké. Donc, en fait, nous, on a nos robots, on va dire, qui passent toute la journée, qui récupèrent toutes les annonces et qui actualisent toutes les annonces qu'on a déjà en base aussi. Parce qu'il faut vérifier que toutes les annonces que nous, on a enregistrées, elles sont toujours sur les sites, qu'elles sont toujours actives, pour éviter que forcément tu cliques sur une annonce et que le lien soit mort. Parce que tu vois, si on faisait en live, nous aujourd'hui, on a à peu près 50 000 utilisateurs sur l'application. Donc quand tu as 50 000 mecs qui font une recherche, tu peux pas envoyer 50 000 requêtes en même temps et puis tout récupérer en live. Donc on a ouais une base de données avec toutes les annonces, du coup qu'on stocke, et après bah, les utilisateurs tapent dans notre base de données. Et du coup, ça c'est vachement bien parce que enfin si une annonce est désactivée, nous on l'a toujours, et les investisseurs l'ont toujours aussi, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir une alerte mail. Donc, en fait, tu as un système d'alerte. Dès qu'une annonce qui correspond à tes critères sort, tu as un mail, tu cliques, tu ouvres. Et en fait, ça m'est déjà arrivé que le lien soit déjà mort au moment où je l'annonce. Mais bah, les infos sont là et puis le numéro est là. Et du coup, j'ai quand même pu téléphoner. Et puis, tu vois, ça, c'est assez pratique aussi. Yes, ok. Et tu peux nous parler un peu du stockage. Enfin, moi, c'est un peu hors contexte, mais comment tu sizes un peu les serveurs et tout. Comment, je pense que c'est un truc, tu peux vite te laisser un peu déborder en disant, enfin, un peu comme sur un ordinateur, tu aurais besoin d'une place qui est quasiment infinie. Comment vous gérez un peu ce. Vous êtes sur, je suppose, des serveurs externalisés un peu comme Amazon ou les trucs comme ça? Ou comment ça se passe? Ouais, c'est ça, on est chez Amazon, ouais. On est chez Amazon, donc en gros, ça c'est pas très compliqué. C'est pas moi qui gère cette partie, c'est mon associé, mais dans les grandes lignes, c'est pas très compliqué. C'est plus tu as besoin de stockage, plus tu payes, et puis eux, ils te mettent à disposition en fait la mémoire dont tu as besoin. La partie stockage en soi, c'est pas ce qui coûte le plus cher.
tu vois, la partie vraiment j'enregistre et je demande X gigas de stockage, tu vois. Ça, c'est pas le plus cher. Ce qui coûte cher, c'est un peu les processeurs, toute la partie calculatoire, en fait. Donc, justement, faire des requêtes en base de données. Donc, aller chercher toutes les annonces qui correspondent à tes critères, envoyer les alertes mail, faire des simulations de FISCA, faire tous les calculs. Nous, en plus, on a un système où dès que tu bouges un curseur, tout se réactualise en direct. Donc, ça fait des millions et des millions de calculs tout le temps. Et c'est surtout ça qui coûte cher. Donc, en soi, c'est pas très compliqué à gérer. Suffit de payer, quoi. Faut quand même avoir l'argent. Mais voilà, en gros, tu payes et Amazon te met la puissance à disposition. Et eux, après, derrière, ils ont des serveurs à l'infini. Donc, il n'y a pas de limitation là-dessus, si ce n'est la taille de ton compte en banque, quoi. OK. Et bah du coup, tant qu'on est là-dessus, peut-être tu peux en parler. C'est quoi les plans, comment vous financez, comment vous vivez tout simplement par rapport à ça? Nous on a de la chance, on est 100% bootstrap. Donc bootstrap, ça veut dire qu'on n'a pas levé de fonds, on fait tout en fonds propres. Donc en fait, l'e-box, nous on l'a lancé au début en 2020. À la base, on avait tous les deux un boulot avec mon associé, donc on faisait ça les soirs et les week-ends. On est tombé en plus pendant le Covid qui nous a permis d'avoir pas mal de temps libre et du coup de bien développer ça. Et c'est resté un side business pendant 2 ans à peu près. Et du coup, on a eu de la croissance au fur et à mesure. Ce qui fait qu'à partir de 2022, on a arrivé à un niveau de chiffre d'affaires qui nous permettait en fait d'être rentable, de payer nos charges, de se verser un salaire et de pouvoir aussi garder un peu d'argent pour réinvestir, tu vois. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on est passé à plein temps sur la boîte. Donc là, ça fait un peu moins de 2 ans qu'on est complètement à plein temps. Et on reste dans ce système bootstrap. Même si, quand tu commences à monter des boîtes, tu as plein de gens qui viennent te voir pour essayer d'investir dedans. Au début, faut que ça fonctionne. Tu dis, trop bien, je m'appelle Elon Musk. Ouais, c'est ça. Mais même quand ça fonctionne moyennement, en fait, tu sais, au début, t'as des gens qui viennent te voir, tu te dis, ça y est, je suis Elon Musk, j'ai fait une boîte de bouffe, les gens, ils veulent mettre de l'argent chez moi. Et en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, ils investissent un peu de partout. Ce qu'ils veulent, c'est surtout t'acheter pour pas cher, pour que si jamais ça devient vraiment une grosse boîte, bah, ils aient un petit peu d'action chez toi, tu vois. Et en réalité, voilà, au début, ça booste l'ego, et à la fin, tu te rends compte que les mecs, c'est comme si toi, t'allais, en fait, dans une ville et que tu proposais de racheter, tout à moins 50%. Tu te dis, t'achètes pas parce que c'est de la qualité, t'achètes juste parce que tu penses faire une bonne affaire. Et puis là, t'as le côté un peu, tu te dis, c'est des jeunes entrepreneurs, ils connaissent pas trop un peu comment ça marche, ni la valeur de leur boîte. Donc, j'ai peut-être un coup à faire en les achetant pour pas cher, tu vois. Donc, pour le moment, on a toujours refusé. Je dis pas qu'on le fera jamais, mais on a de la chance d'avoir été rentable assez vite. Donc là, du coup, le chiffre d'affaires qu'on fait, ça nous sert à vivre, à réinvestir dans les devs, à payer les prestataires qu'on a aussi sur la partie design, sur la partie marketing, sur tous les aspects où nous, on n'est pas très experts parce que notre métier à la base, c'est plutôt la tech, donc le développement. Et sur tout le reste, on a besoin de payer des gens. Donc, ça nous sert un petit peu à faire vivre la boîte là-dessus. OK. Et du coup, le business model, tu peux nous raconter un peu. Donc, il y a une partie qui est gratuite, il y a une partie qui est payante. Pour les utilisateurs, comment ça fonctionne? La partie gratuite, c'est notre extension. C'est par ça qu'on a commencé, en fait, justement, quand on voulait faire le petit truc juste pour nous. Donc, l'extension, en fait, c'est quelque chose qui se rajoute sur le navigateur, donc sur Chrome ou Firefox. Et ça rajoute des infos, en fait, directement quand on se balade sur Le Bon Coin et sur Se Loger et puis sur tous les sites sur lesquels on est compatible. Et en gros, ça rajoute un premier calcul de rendement, la population dans la ville, le cash flow, etc. Et ça te met aussi un petit calculateur, en fait, sous la description des annonces, où tu peux mettre tes travaux, mettre ton crédit, mettre ta taxe foncière, etc. Et ça te fait en fait des calculs de rendement, tu vois, et de rentabilité. Donc ça, c'est la partie gratuite qui permet de découvrir un peu comment ça fonctionne sans trop changer ses habitudes. Et puis après, tu as le site ou le business model, là, c'est de l'abonnement, donc à la Netflix, où tu payes un abonnement pour avoir accès à différentes fonctionnalités sur le site. On a 3 formules qui vont, on va dire, d'un investisseur plus débutant qui veut découvrir un peu, voir un peu quelles sont les villes qui sont intéressantes et commencer à faire des calculs, jusqu'à l'investisseur un peu plus énervé qui, lui, va avoir accès à toutes les annonces, des alertes mail en direct, des régimes fiscaux un peu professionnels, le LMP, les SASU, etc. Et voilà. Et c'est de l'abonnement. Donc, tu t'abonnes du moment que tu as besoin de chercher. Après, en général, les gens partent. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Donc, on les voit pendant 3 à 6 mois. Ils achètent. Et puis ensuite, ils font les travaux de mise en location. Et puis, ils reviennent après pour un deuxième, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. On en a pas mal qui font plusieurs investissements. Yes. Et vous avez, comme toujours, un code promo. Bye bye patron.
si vous souhaitez essayer. Ok, super intéressant parce que en fait nous on voit un peu, c'est pareil, nous on accompagne des investisseurs débutants et un petit peu plus avancés et c'est pareil, ils achètent. On passe beaucoup de temps au moment de la recherche. Après, une fois qu'ils ont trouvé, c'est plus calme. Ensuite, souvent, ils veulent racheter. On en parlait hier avec mon associé. On n'a aucun investisseur qui a acheté que un bien, en fait, depuis qu'on les a accompagnés. Parce que, une fois que t'es piqué aux notifications Airbnb Booking ou alors au loyer qui tombe tous les mois, on a vite fait de, puis c'est pareil, on a quand même un investissement en temps. Et en compétences, donc ce serait un peu dommage de s'arrêter là. Ok, peut-être tu peux nous, je sais pas si t'as un exemple, mais est-ce qu'il y a quelque chose que, admettons en théorie, t'aimerais avoir et que c'est impossible pour l'instant, tu vois, si tu penses à 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que ça pourrait être l'e-box, soit en termes de calcul, soit en termes de data, c'est quoi pour l'instant ton facteur limitant? Alors, il y a plein de trucs que les gens nous demandent et qui sont hyper durs, voire impossibles. Il y a un truc sur les travaux. Tu vois, nous, on a des indicateurs, en gros, pour te dire est-ce qu'il y a des travaux ou pas à prévoir sur le bien. Et on a plein d'investisseurs qui nous disent « Ouais, mais en fait, il n'y a pas l'estimation travaux. » Et eux, ils s'attendraient à ce que, lisant l'annonce, on sorte un chiffre, en gros, de « il faut tant de travaux pour rénover. » Et ça, c'est un peu chiant parce que… En soi, on pourrait faire une estimation, mais le truc aussi, c'est que tu prends le même appartement, tu le donnes à deux investisseurs différents, ils vont pas faire le même chantier, ils vont pas avoir les mêmes artisans, et ça va pas être le même prix derrière, tu vois. Ça dépend d'eux, est-ce que tu veux tout raser, tout refaire à neuf, est-ce que tu veux faire le minimum, est-ce que tu veux diviser, est-ce que tu veux faire de la coloc. Donc là, ça dépend de plein de trucs, et ça, on a plein d'investisseurs qui ont un peu du mal, et nous, on leur dit, non mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire à l'intérieur, tu vois, le budget travaux, c'est assez variable. Ouais, super intéressant. C'est vrai que nous, on en parle souvent. C'est un peu le risque, je pense, surtout des investisseurs débutants. C'est que tout le monde veut un truc aussi super nickel. Enfin, vraiment, que ce soit un peu ta fierté. Sur le podcast, ce serait pareil. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait aucun, que le montage il soit parfait, que le son il soit parfait de tous les invités et tout. Mais sinon, tu sors pas un épisode par semaine. C'est impossible. Et sur les investisseurs débutants, il y en a beaucoup qui veulent vraiment pousser les travaux. Trop loin en fait et c'est trop cher. Et après c'est vrai que moi je suis pas du tout un adepte des prix au mètre carré de travaux. Souvent il y en a, ils disent ouais la réno c'est 500 du mètre carré si c'est léger, 1000 si c'est lourd. Mais rien que t'as les fenêtres, ça va rien changer à tes mètres carrés. Et si tu dois changer les fenêtres ou non, ça fait des tarifs qui sont complètement différents. Pareil, après pour l'électricité, ensuite. Si c'est un immeuble, combien il y a de l'eau, combien il y a de cuisine, combien il y a de salle de bain, combien il y a de... Enfin, pour moi, c'est impossible. Enfin, avec l'expérience, et dès que tu as les infos, tu sais le faire. Mais en tout cas, sur des annonces, je vois pas du tout comment ce serait possible d'y arriver. Ou alors ce serait faux. Ouais, c'est ça. Sinon, tu fais un bête multiplicateur, tu dis, c'est sûr, l'appartement, c'est écrit à rafraîchir, c'est tant de mètres carrés fois tant d'euros. Mais Je pourrais dire, si je dois rafraîchir, je mets 500 € du mètre ou n'importe, tu vois. Mais comme tu dis, ça dépend. Alors après, les prix au mètre carré, ça marche plus ou moins. C'est pas précis, mais ça donne un ordre de grandeur parce que normalement, plus t'as de mètres carrés, plus t'as de fenêtres. Regarde, proportionnellement, tu vois, c'est sûr que si t'as 20 mètres carrés ou si t'en as 80, tu peux te dire que t'auras quand même un peu plus de fenêtres. Mais c'est jamais précis à l'euro près. Et puis ça dépend aussi des matériaux que tu veux mettre à l'intérieur. Est-ce que tu mets le parquet à 10 balles du mètre carré, est-ce que tu mets le super parquet massif à 50-60 balles du mètre carré. Ça change beaucoup de choses quoi, en fonction de ton marché, de ce que tu as envie de faire à l'intérieur, est-ce que c'est du Airbnb ou pas. Donc assez compliqué cette partie là Yes. Et ce serait super intéressant, je pense que c'est une data qui serait quasiment impossible à avoir, surtout avec la résidence principale, mais de les matériaux par rapport au prix du foncier, tu vois. C'est vrai que en fonction de... Moi, j'habite dans une ville qui est super chère et c'est vrai que tu vas chez les gens, les biens, ils sont nickels. Enfin, il y a des matériaux que tu vois jamais dans des villes, dans d'autres villes où j'investis parce que clairement, ça, tu peux tout simplement pas proportionnellement mettre des matériaux de cette base. Et c'est vrai que même à l'échelle de la France... Je suis sûr entre le nord-est qui est quand même pas super cher par exemple par rapport au sud-est, tu dois avoir des commandes de carrelage spécifiques ou je sais pas des grosses dalles à des prix complètement différents.
Ok, et peut-être tu peux nous parler un peu de la gestion. Donc, tu as dit, bah, du coup, vous autofinancez, donc super. Est-ce que vous avez embauché? Comment depuis comment tu te poses? C'est un peu la question de. C'est un peu le risque de beaucoup d'entrepreneurs au bout d'un moment, c'est de trop embaucher ou alors de ne pas savoir déléguer. Comment tu as géré un peu l'aspect équipe, humain, voilà, se développer vite, mais pas trop vite. Enfin, comment tu gères un peu ça? Ouais, c'est un sujet super compliqué. Donc nous, on est deux. On est Mathieu, mon associé, qui est développeur, et moi qui suis plus sur la partie data, et puis je fais un peu tout le reste, le marketing et tout. Nous, on n'a pas levé de fonds, donc on n'est pas comme les startups qui lèvent 10 millions, et du coup, le but, c'est de recruter 30 personnes dans l'année, tu vois. Donc on a toujours été un peu plus lean startup, tu vois, un peu, on fait attention à nos coûts. Donc au début, on recrutait des stagiaires, tu vois. Et ça a pas trop marché. Le stagiaire, au final, en fait, le problème, c'est que déjà, problème numéro un, c'est que c'est assez difficile de recruter des bons stagiaires quand t'es une boîte de deux personnes, parce qu'en fait, enfin, tu vois, t'es personne pour eux, et la plupart des stagiaires, moi, j'étais pareil quand j'étais étudiant, bah, tu vas aller dans des grandes boîtes pour avoir un joli nom sur le CV, et t'en as pas beaucoup, en fait, qui acceptent d'aller dans des boîtes comme toi, même si t'es très bon pour leur vendre le projet et tout. En fait, t'en as pas beaucoup qui candidatent de base. Donc, t'as pas forcément les meilleurs profils. Et du coup, même quand t'arrives à avoir des profils qui sont corrects, en fait, un stagiaire, c'est vrai qu'au début, il met beaucoup de temps à se mettre sur le projet et à vraiment produire. Et du coup, c'est pas tellement que ça te coûte cher en rémunération, mais c'est aussi que ça te coûte assez cher en temps, tu vois. Tu vois, le stagiaire, en fait, tu passes énormément de temps avec lui, à lui expliquer, à corriger et tout. Et finalement, nous, on en a eu deux. Et je dis pas que ça s'est mal passé, tu vois, mais c'est pas le truc le plus rentable non plus. Et donc, d'un point de vue bah, vraiment gestion d'entreprise, tu te dis en fait pas ouf. Donc là, du coup, nous, on a un système qu'on aime bien, c'est qu'on est surtout avec des prestats et des agences, tu vois, donc des freelances. Donc, dès qu'on a un besoin, on appelle notre designer, on appelle notre personne en marketing, on appelle notre personne en relations presse. Et en fait, on fait des missions un peu avec eux sur des durées plus courtes, sur des points bien précis. Et c'est beaucoup plus cher forcément, parce que là, tu payes à la journée. Mais au moins, tu as quelqu'un qui est expert, qui est efficace tout de suite. Et puis, ça va tu plus vite. Tu payes à la demande. Tu payes pas tous les mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu payes à la demande. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, le problème de ça aussi, l'inconvénient par rapport à avoir quelqu'un à plein temps, bah, c'est que du coup, c'est que pendant la durée de la mission. Si derrière, tu as oublié un truc, bah, c'est plus dur de la rappeler. Et puis quand même, quand t'as quelqu'un qui est à 100% dans la boîte, il vit un peu plus le produit, il a un peu plus force de proposition, tu vois, il a un peu plus d'imagination, d'idées. Alors qu'un freelance, tu lui dis, bah voilà, qu'il y a des charges, c'est ça, 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 il le fait, et puis après, il passe aux clients suivants, tu vois. Donc c'est un peu ça le souci. Pour le moment, tu peux avoir un peu le même problème qu'avec des artisans. Enfin, ils te font les gros travaux, et après, t'as pas d'eau chaude sur le lavabo de la salle de bain. Et là, tu trouves plus personne pour venir régler le souci, quoi. Je sais pas, c'est pareil sur la partie dev. Quand t'es investisseur IMO, tu prends une entreprise, c'est comme si tu prenais une prestation d'une agence ou quoi. Ils viennent pour un chantier, pour un truc, il y a un cahier des charges, ils le font, puis après, chantier suivant. Et c'est vrai que s'il y a des petits trucs qui ont été oubliés, avec un peu de chance, tu l'as bien mis dans le devis et tu les obliges un peu à revenir, mais ils ont pas trop envie. Et puis sinon, t'es un peu obligé de te taper les finitions ou de trouver quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Yes. OK. Je sais pas du tout si vous en servez, mais c'est vrai que depuis qu'on a enregistré, il y a eu un gros changement quand même dans la partie tech, c'est l'IA. En tout cas, est-ce que vous en servez d'une manière ou d'une autre? Soit pour, c'est vrai que moi, je m'en sers parfois pour identifier des doublons, tu vois. Alors, vous, je pense que c'est un système qui est plus élaboré, mais dans des listes, voilà, si tu as prévu trop de choses, ou enfin, souvent, je m'en sers soit pour voir si j'ai rien oublié ou alors si j'ai oublié quelque chose. Est-ce que l'IA a changé quelque chose dans, pour moi, c'est un peu comme un stagiaire, souvent. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre business? Oui et non. En fait, nous, on se servait déjà un peu de l'IA avant que genre ChatGPT apparaisse et que tu vois, ça devienne vraiment. L'IA, c'est presque devenu un peu mainstream maintenant, tu vois. Depuis qu'il y a ChatGPT, n'importe qui, Tata Jacqueline, elle peut aller sur OpenAI et puis taper des questions et puis avoir des réponses. Alors qu'avant, c'était un peu un truc de tech.
Et nous, on s'en servait déjà un petit peu, bah justement, tu vois, pour mâcher les doublons. C'est pas ChatGPT qui le fait, mais c'est des mécanismes d'IA qui le font pour détecter les travaux, pour détecter les ventes urgentes, pour détecter les biens qui sont avec un locataire. En fait, tous ces trucs-là, nous, on avait déjà des algos un petit peu d'IA. On pourrait aller un peu plus loin avec ChatGPT. On est en train de réfléchir. Le problème, c'est que nous, en fait, on traite des millions et des millions d'annonces tous les jours. Et c'est hyper cher. ChatGPT avec la API. C'est hyper cher et surtout pas assez rapide, en fait. Okay. C'est ça le souci, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, si tu vois ChatGPT quand t'écris, il met quand même un temps à te répondre. Mmh. Et si tu lui envoies 1 million de questions par jour, bah, en fait, il va pas avoir le temps de te répondre dans la journée. Donc, il y a un peu un côté performance aussi qui fait que nous, on n'utilise pas ChatGPT directement, mais on a déjà plein d'algo d'IA, en fait, qui servent, ouais, pour analyser les annonces et puis pour faire des estimations. Ah, super intéressant. C'est vrai que moi, je me suis pas mal intéressé au sujet. Effectivement, il y a, je pense que le public, enfin, la personne lambda, elle s'en rend pas compte, mais en fait, t'as des ChatGPT, c'est pas un peu comme avoir une Ferrari pour aller chercher le pain, mais en gros, il a beaucoup de, je sais plus, en milliards de, c'est pas vraiment des tokens, je sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas, ouais, t'as des, ce qui est important avec l'IA pour les sociétés, visiblement, c'est d'avoir un peu la bonne taille d'IA. T'en as une qui est connue, Mistral, là, qui permet de un peu, voilà, qui peut aller plus vite, qui peut coûter moins cher, parce que sinon tu sors un peu le bazooka pour des questions qui sont simples parfois et qui pourraient être résolues plus facilement. Ouais. Ok, bah super intéressant. Et tu peux nous dire peut-être juste la partie, donc on a vu un peu toute la partie recherche, la partie fiscalité, comment ça se passe? Comment vous êtes à jour? Est-ce que vous avez des partenariats avec des fiscalistes? Est-ce que comment vous faites les calculs par rapport à ça? Je sais qu'il y a énormément de régimes fiscaux qui existent. Comment vous restez un peu? Et puis la magie de la France, c'est que limite il faudrait un agrégateur de, tu sais, de nouveaux textes et de nouveaux textes fiscaux et de nouveaux amendements. Comment vous faites, ouais, pour rester au fait de tout ça? Ouais, bah c'est une partie de notre boulot, du coup, on fait de la veille juridique, la veille fiscale pour voir dès qu'il y a des modifications. Là, les simulateurs qu'on a, on les a construits avec notre comptable. Et là, on est en train de passer aussi au step un peu au-dessus. On est en train de faire un partenariat avec un autre cabinet comptable pour que vraiment il soit audité officiellement par un cabinet comptable, tu vois, et que ce soit officiel, certifié. Vos data, quoi. Enfin, vos calculs et tout ça. C'est-à-dire que vraiment, en fait, là, pour le moment, on l'a fait avec notre comptable. Donc, on lui pose des questions, on fait des simulations avec lui, il nous donne 2-3 infos. Après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a pas mal de clients pro. Donc, au fur et à mesure, quand il y avait des petites coquilles, ils nous les font remonter et du coup, c'est top. Et là, on va vraiment faire le truc. On va dire, OK, il y a un vrai expert comptable qui passe sur les simulateurs, qui est rémunéré pour ça et qui, du coup, valide absolument tous les calculs. Donc ça va être plutôt cool. Et après, ouais, ça fait quand même partie de notre boulot de vérifier dès qu'il y a une nouvelle dinguerie dans le projet de loi finance ou des trucs comme ça. Bon, bah voilà, faut se mettre à jour et puis actualiser. T'as les trucs un peu simples qu'on fait tous les ans, les tranches marginales d'imposition qui changent, les plafonds de la sécurité sociale et tout, donc ça va. Et puis si par exemple un jour le LMNP ils nous font le truc là où pour la revente tu reprends les amortissements que t'avais constatés pendant la détention, bon bah ça faudra faire la modification. Et puis voilà, ça fait partie un peu du taf aussi de mettre à jour. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est que nous on le fait, alors que quand t'as tes fichiers Excel, bah, t'es obligé toi de faire ce boulot pour actualiser tes fichiers Excel sans être sûr que ce soit bien fait. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un logiciel en ligne. Yes. OK. J'avais deux questions encore qui me viennent à l'esprit. La première, c'est est-ce que, donc là, on a connu une forte hausse des taux depuis qu'on a enregistré. Est-ce que tu le vois dans les datas, par exemple, que les délais, les annonces, elles restent plus longtemps, ou alors sur les prix, est-ce que tu as réussi à avoir des data par rapport à l'évolution des prix, des zones, des secteurs? Est-ce que tu as analysé ça, tout simplement? Yes. Là, on a les prix qui stagnent. Enfin, de toute façon, tout est lié. Donc là, globalement, ce qui se passe, c'est que les annonces restent un petit peu plus longtemps. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux. J'avais fait une analyse en fin d'année dernière où déjà, on était bien là-dedans. Les annonces restent un peu plus longtemps. Les stocks d'annonces en ligne, du coup, augmentent un petit peu. Tu vois, tu as plus de biens à la vente à un instant T qu'il y a 2 ans. Et du coup, les prix stagnent un peu, même si ça dépend des régions. J'avais fait pareil une infographie avec les évolutions des prix un peu partout en France.
Donc, tu vois, à Paris, ça baisse un peu, à Bordeaux, ça baisse, à Lyon aussi, dans pas mal de grandes villes où ça avait beaucoup augmenté, en fait, ça baisse un peu, pas mal d'endroits où ça stagne. Et après, tu as quand même certaines régions, type l'ouest parisien, et le sud-est, où c'est encore hyper dynamique et en fait, ça continue de monter. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu te dis, bon, par exemple, sur la Côte d'Azur, tu as plein d'argent, tu as plein de gens, pardon, qui ont beaucoup d'argent. Et du coup, ces mecs-là, en fait, que les taux soient élevés ou pas, ils achètent quasiment tout cash. Et du coup, ça les dérange pas vraiment. Donc, les prix là-bas continuent d'augmenter. Donc, c'est quand même assez différent d'une région à une autre. Mais globalement, là, on voit que, ouais, les prix stagnent et puis ils ont déjà bien commencé à baisser, hein. Franchement, 2023, il y a déjà eu une bonne baisse. Là, début 2024, ça continue. Et je pense que ça devrait continuer encore jusqu'à la fin de cette année, parce que c'est pareil, en fait, les taux sont encore un peu élevés, du coup, les investisseurs ont un peu moins de capacité d'emprunt, et il y a un peu d'inertie dans l'immobilier. Donc, en fait, quand tu as un truc qui est enclenché, le temps que ça se fasse vraiment sentir, et puis le temps que ça s'arrête, c'est des temps longs de plusieurs mois, voire années. Ok, ouais, super, très intéressant. Et c'est vrai que j'avais vu une étude aux États-Unis. Je sais pas. Alors, je pense que c'est hyper dur à mesurer et qu'on n'arriverait pas à le voir. En France, c'était que en fait les prix, ils avaient aussi augmenté parce qu'en fait les gens, ils avaient des emprunts à taux qui étaient faibles. Et en fait, ils se disent bon, bah si je déménage, par exemple, pour acheter une nouvelle maison, ça va me coûter beaucoup plus cher. Donc autant bah, comme un produit financier en fait, comme une obligation en fonction de si ça monte, si ça baisse. Voilà, quitte à m'en séparer, à perdre l'avantage de mon taux à 1%, bah à ce que j'ai acheté 300 000, je vais le vendre 400 000 parce que après je sais que moi à côté, bah, je vais réemprunter à 4%. Et une autre question, c'est est-ce que, et là je pense que c'est encore plus dur à, mais peut-être vous avez la data par rapport aux taxes foncières. Est-ce que vous arrivez à voir, vous les avez ces data par ville, par bon, souvent ça dépend carrément de l'immeuble en tant que tel. Est-ce que vous arrivez à avoir des tendances par rapport à ça? On a les taux de taxes foncières par ville. Alors après, j'ai jamais fait une analyse pour essayer de voir en moyenne de combien ça avait augmenté, mais je crois que c'était 7,2 qui avait été annoncé l'année dernière là, le minimum, je crois que c'était ça. Donc Ouais. ça doit se voir dans les datas, mais je t'avoue, j'ai jamais fait l'analyse de regarder par ville, par région. Et après, je sais pas si on l'a pas par bâtiment. On a genre quel est le taux moyen communal, tu vois, de la ville, et après ils multiplient ça par la valeur locative de ton bien. Voilà, ça, on l'a. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rebondir sur ton truc. Ouais, tu vois, les gens qui veulent vendre hyper cher parce qu'ils ont un taux bas, je pense que c'est bien en fait s'ils ne vendent pas, quoi. Donc, c'est bien qu'ils restent sur le marché. Et ils nous ont parlé il n'y a pas très longtemps, là, justement, de la portabilité des crédits immobiliers. Je ne sais pas si tu as suivi. Je sais que moi, quand j'étais dans la banque, du coup, en 2017, je travaillais sur les crédits immo. Et justement, à l'époque, les offres de prêt, elles avaient cette clause de portabilité, transférabilité. Ça dépend comment tu l'appelles, qui te permet du coup de vendre le bien et de récupérer le cash pour le réinvestir sur un autre bien. Et ça, en fait, on a très vite supprimé la clause parce qu'on s'est rendu compte que ça allait Surtout coûter quand les beaucoup taux d'argent. c'était ouais, c'est C'est ça, ça. ouais. Bah, les taux là étaient à 1%, donc du coup, tu produisais beaucoup de crédits à 1%. Et on s'est dit, putain, mais en fait, on va se retrouver avec je sais pas combien de milliards de crédits à 1%, et tout le monde va pouvoir transférer ça, même quand les taux seront remontés. Donc cette clause, elle a été enlevée, et je pense que la plupart des banques l'ont fait. Et ils sont en train de parler de vouloir le remettre parce que ouais, ça bloque, hein. Enfin, même moi, tu vois, j'ai un de mes immeubles. Honnêtement, il me fait un peu, il m'embête un peu pour être poli parce que c'est celui où j'ai le dégât des eaux là qui est toujours en cours, que je t'avais parlé la dernière fois. C'est un truc qui traîne pas trop. Il y a des moments où je me dis, putain, j'aimerais bien le vendre et puis passer à autre chose. Mais d'un autre côté, j'ai un crédit à 0,95 dessus sur 25 ans. Donc, tu vois, ça fait un peu chier de le faire sauter pour repartir à 3,5 sur 20 ans, quoi. Donc, ça bloque un peu le marché immobilier, ça aussi. Yes, super intéressant. Bah, peut-être on peut parler pour finir du développement. Est-ce que vous avez déjà songé à aller, par exemple, dans d'autres pays, ou ce serait quoi, c'est quoi les leviers de croissance, ou est-ce que vous êtes bien comme ça? Comment vous voyez un peu le futur de l'e-box? Dans le futur, là, nous, on a envie de finaliser les quelques trucs qu'on a envie de faire sur la partie investissement locatif. Donc, ça va être des données par quartier, accéder à toutes les ventes immobilières, un peu à la DVF et tout. Sur la partie investissement locatif, on commence à être vraiment carré, ce dont a besoin d'investisseurs normalement et chez nous. Donc, ça, on veut finir cette partie-là. Les leviers de croissance, on se pose la question de faire un peu de formation. Soit intégré directement un peu dans le package, soit un peu en plus.
parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin là-dessus, surtout sur la partie finance, tu vois. Donc moi, je me bats souvent avec des investisseurs qui regardent que le cash flow, par exemple, qui pensent que parce qu'il y a du cash flow, tu t'enrichis, qui comprennent pas vraiment que bah en fait c'est le rendement qui fait vraiment ta performance, que le cash flow c'est de la trésorerie. Donc c'est important de le regarder, mais ce qui fait que tu gagnes de l'argent, c'est le rendement, c'est pas le cash flow. Qui comprennent pas trop l'effet de levier, tu vois, toute la partie taux de rendement interne, en prenant en compte que bah effectivement tu as peut-être un rendement à 8%, mais quand tu vas faire un effet de levier fois 10 ou fois 5 parce que tu empruntes 90% du projet, et bah à la fin en fait tu as un rendement qui est plutôt à 30-40%. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps là-dessus où je disais que l'immobilier en moyenne ça rapportait 30% par an net d'impôts. J'ai fait une petite simulation, en fait tu fais vraiment un investissement moyen, genre 8% de rendement dans une ville qui évolue à 4% par an, et tu le revends au bout de 8 ans. Et en fait, tu remarques que bah, une fois que tu as touché tous tes loyers, payé ton crédit, payé tes impôts sur la revente, etc., remboursé le crédit qui te restait au bout de 8 ans, bah, en fait, sur ton cash, tu as fait 30% par an. Et ça, c'est vraiment dans le cas moyen. Et c'est aussi pour ça que les gens, en fait, des fois, on se bat un peu avec eux parce qu'ils disent oui, l'immobilier, ça rapporte 8%, mais c'est du boulot, là, je pourrais mettre ça en bourse. Et je leur explique que oui, si tu veux, mais en fait, en bourse, t'as pas forcément le même levier, ou alors c'est plus risqué. Donc, bref, tout ça pour dire qu'en fait, il y a un truc, moi, je trouve, à faire sur la partie vraiment un peu plus finance de l'immobilier. Et on aimerait bien essayer d'éduquer un peu les gens à ça pour qu'ils comprennent vraiment bah, comment ça s'analyse et puis comment tu gères un peu ton argent. Et après, le côté international, en fait. On y pense aussi. On pense qu'avec l'e-box, c'est compliqué parce que nous, en fait, si on veut partir à l'international, on est obligé de recommencer un peu tout de zéro, dans le sens où, tu vois, les sites, bah, faut qu'on retrouve tous les sites et toutes les agences immobilières du pays en question. Va falloir qu'on se retape toute la fiscalité du pays en question. Et donc, au final, ça, c'est les deux plus gros trucs. On va aussi falloir trouver un peu l'INSEE local pour avoir toutes les données sur les villes. Donc, nous, en fait, quand tu ouvres un nouveau pays, bah, t'es un peu obligé de retourner, de recommencer à zéro. Donc je pense que l'e-box en soi, ça restera français, mais on se pose de plus en plus la question de partir sur un peu un logiciel Airbnb. On se pense qu'il y a des trucs à faire là aussi. Alors il y a déjà des logiciels qui font ça, un peu Channel Manager, optimisation de la tarification, data sur toutes les villes, taux de remplissage, prix moyen à la nuitée, etc. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus facilement internationalisable. Parce que bah, une fois que tu as récupéré les données de Airbnb, Booking et tout, bah, en fait c'est les mêmes dans tous les pays du monde. Et donc ça, ce serait peut-être un projet, tu vois, qui nous trotte dans la tête. Et est-ce que ce sera dans l'e-box, est-ce que ce sera une autre boîte, ça c'est encore à voir. Comme un peu RDNA, ils font ça. Ouais, ils font un peu aussi, ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas que Donc. ça. Hein. Je crois qu'il y a un autre logiciel qui s'appelle Transparent. Je crois que les channel managers aussi te font un peu de données. Donc du coup, ouais, ce serait un truc pareil, tout en un pour ceux qui veulent faire du Airbnb, pour gérer tes réservations, channel manager, Ok, un optimisation des mélange, ouais, flux de. data. Ouais, Ok. d'essayer de faire un peu la totale, un peu dans la même veine que l'e-box, tu vois, mais sur la partie Airbnb. Parce que c'est vrai que bah, il y a un site aussi, Price Labs, là, enfin, je sais pas si tu connais, qui permet de gérer les prix de façon dynamique. C'est hyper puissant, mais c'est aussi un peu une usine à gaz. C'est assez compliqué, je trouve, à mettre en place. Donc, à mon avis, il y a de la place si tu arrives à faciliter un peu le. L'expérience utilisateur par rapport à ça. Ouais, je pense aussi, moi j'utilise Beyond Pricing, je sais pas si tu connais aussi, c'est un Ouais. peu Ouais, c'est un un peu un concurrent, concurrent, je pense. mais ouais, j'ai testé les deux et PriceLab, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi il me mettait des prix un peu déconnants, tu vois. Il me mettait tout à mon minimum, enfin c'était pas dingue. Donc j'ai pas creusé non plus, mais je me suis dit ok, ça marche moyen leur truc, et c'est pour ça que je suis allé sur Beyond où c'est un peu mieux. Mais au final, ces trucs-là, enfin c'est très manuel, tu vois. C'est finalement quand tu vas dans les paramètres. C'est juste que le truc, il te dit, bon, bah, ok, je veux augmenter les prix de 50% quand ça a plus de 60 jours, 25% quand ça a plus de 30 jours, et puis je vais les diminuer de 25% quand ça a moins de 7 jours. Ça, finalement, c'est très manuel, tu vois. Voilà, t'as même pas de Alors, data en fait. ouais. En gros, pour ça, ouais. Moi, T'as au pas besoin début, de data. j'imaginais que c'était un truc de ouf, en mode, ça analysait toutes les annonces dans la ville, et puis ça essayait de se caler au bon prix par rapport aux réservations des autres, tu vois. Et en fait, non, non, c'est très à la mano. Tu mets un prix de base, tu mets un prix minimum, et puis lui, il fait juste un peu de variation autour de ça. C'est pas non plus folichon, je trouve, leur truc. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à faire là-dessus. Yes.
Ok, bah trop intéressant. Bah écoute, merci je pense pour l'update. On a fait un bon tour. Ouais. Je pense que on a plus rien à. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on est bon, ouais. On a parlé un peu de tout. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ok, bah top. Bah du coup, bah on peut que vous inviter à tester l'outil si c'est pas déjà fait. Si vous cherchez. Ah juste, et résidence principale, ça vous est jamais ça vous est pas venu à l'esprit, je pense, d'essayer de Ouais, se mettre sur ce marché. on a deux, trois personnes qui cherchent le RP, mais après, les gens qui cherchent le RP, en général, ils sont pas trop prêts à payer pour utiliser un logiciel, tu vois. Mmh. Quand tu as des Ouais, parce que c'est investisseurs, juste ils... l'investissement de toute une vie, donc Ouais, non, mais... En vrai, tu as raison, hein, mais les gens, ils raisonnent pas du tout comme ça. Ouais. Ah, mais Quand en tu es fait, investisseur locatif, c'est... Je Ouais, comprends. ils raisonnent pas comme ça, tu vois, parce que en investissement, tu as le côté un peu rentabilité. Tu te dis, bon, OK, je dépense de l'argent pour d'ailleurs en gagner plus, j'investis. Les gens, quand ils sont avec leur RP, non, non, tu vois, ils veulent ne pas payer et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont peut-être en train de surpayer un bien parce qu'ils n'ont pas bien analysé le marché. Et au final, ils vont perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros alors qu'ils auraient pu en économiser en dépensant 30 euros par mois dans un logiciel, tu vois. Donc, la RP moyen, on a un peu de marchand de biens quand même qui est chez nous. Donc, il y a un peu sur ce côté aussi. Donc, eux, la partie simulation de fiscalité, ils s'en foutent forcément. Mais eux, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir toutes les annonces au même endroit et puis pouvoir avoir des alertes mail pour être hyper réactif. Ouais, et puis en plus c'est pas récurrent. C'est pas comme les investisseurs qui enchaînent les lots comme des Lego. Donc voilà. Ça marche. Bah Exactement. écoute, eh ben Thomas, merci pour ton temps. Et puis bah je te souhaite qu'on se redonne rendez-vous dans 2 ans peut-être, hein, avec encore plus de fonctionnalités. Et puis à très bientôt. Bye bye. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Ciao, ciao. Et voilà, j'espère que l'épisode avec Thomas vous aura plu. Pour rappel, vous avez 20% de réduction avec le code BYEBYEPATRON. 20% à vie. Ça s'invente pas, ça. Il n'y a plus rien maintenant. 20% à vie. Et ben voilà, avec le code BYEBYEPATRON. Et puis ben pour tout le reste, grobier.com, vous avez votre guide gratuit sur des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle quand on est investisseur immobilier. Et puis sinon, vous pouvez me rejoindre sur l'Académie des gros billets. On est en prix de lancement. Il n'y a pas de meilleur rapport qualité-prix sur tout le marché. Voilà, nous, on a des investissements qui tournent. On a des élèves satisfaits. Vous pouvez contacter n'importe qui. Je pense que personne ne dérogera à ça. Vous voyez encore là, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram toutes les stories qui sont passées des événements. Tout le monde est toujours super content. Et moi, c'est avec un grand plaisir que je suis à vos côtés. Voilà, sûrement tout l'été, hein. Même si j'ai des projets, je vous abandonnerai pas pendant l'été. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos gros billets, prenez le temps aussi de profiter un peu du soleil. Et à très bientôt. Bye bye.